Carpentier, Malouin, au centre. C'est parti, bon match sur LNH TV. On a un tir passe qui ira à l'extérieur du filet vers Jérémy Malouin qui ramène devant le tir de rien d'autre. Quel arrêt! Oh! Est-ce que la rondelle a dévié sur la mitaine de Marcoux? Je crois que oui. Remet vers Alexandre Tremblay qui a marqué le but vainqueur lors du dernier match. Le cours qui s'amène du côté gauche. Le cours, un bon tir. C'est stoppé par Desjardins. Le retour et le but! Ouh là là! Mélanger qui a été remporté par l'assurancière. Bon contact de Paradis à l'endroit vers Opol avec Kennel. Il va y avoir collision entre les deux attaquants des Marquis. La relance de Tremblay. Tremblay laisse derrière à Lecourt. Un tir vers le filet. Le but! Un tir parfait de Lecourt qui déjoue Desjardins du côté droit. C'est 2-0. Il aurait pu avoir un 2 contre 1, mais vers Opol a perdu l'équilibre. La paquette s'amène presque seul. Un tir du revers par-dessus le filet de Marcoux. C'était bien fait. À 2 contre 1 avec Mimard. Carpentier vers Mimard. Le tir. L'arrêt Desjardins. La glissade. Bien fait. Du gardien des Marquis. Ça revient sur le bâton de Lecourt et ça sera en 2 contre 1, Lozier et Jalbert. Lozier du côté gauche, patient, vers Jalbert, un tir et le but! Un tir parfait, 2 contre 1 sur réception, c'est 3-0. Les Éperviers qui seront les prochains adversaires des Marquis, 3 fois plutôt qu'une. Et on va lâcher les gars, Danick Malouin, Shane Baker. Tente de frapper et d'atteindre son adversaire. Malouin se défend bien. Longue portée d'Annick Malouin, donc barre bien le bras de Baker. Et là, une bonne droite de Bégon, de Malouin qui a sonné Baker. Il est mis KO. Sébastien Laferrière qui lâche les gars face à Thomas Bellemare. Très concentré, Laferrière. Il attend la bonne occasion. C'est Bellemare rentre rapidement, souvent avec un coup de poing. Voilà comme il l'a fait. Combat qui est engagé maintenant. Laferrière qui va de quelques coups. Bellemare qui réplique. Envoie son adversaire au plancher. Laferrière se relève mais retombe aussitôt. On va donner l'avantage pour Bellemare là-dessus. Malouin, contact avec Gingras, perd le disque. Et ce sera la montée de Carpentier, reprenée par Brisebois. Et Donne s'amène un peu trop rapidement. Et Jérémy Malouin. Et là, absolument, le Malouin qui veut s'en prendre à Donne. Le combat qui est engagé devant le banc des Marquis. Les gars sont jetés. Et là, c'est vraiment plus une épreuve de force. Et là, les juges de ligne vont séparer les deux gaillards. Une passe très molle. Et là, c'est de la montée de Lecourt. Il est rapide. Lecourt seul devant Desjardins. Le tir du revers. Et le but! C'est 4-0! Côté droit pour Carpentier qui laisse à Rattel. Rattel un tir, touche le poteau à la gauche de Desjardins. Il était complètement déjoué. Brisebois entre en territoire adverse. Brisebois laisse pour Véropol. La feinte, le tir et le but. Quelle feinte! Et on aura une pluie de toutou. Alors on va s'affairer à ramasser les toutous. Tous les joueurs des Marquis qui mettent la main à la pâte et quelques joueurs de l'assurancia également. Avec Brodeur et Malouin. Malouin. Tente un tir, c'est stoppé. Le retour devant le filet. Belle arrêt de Lecourt de Marcoux. La rondelle qui libre entre les jambières. On entend le coup de sifflet. Préserver le disque. Et là, finalement, c'est la sortie de Tremblay avec Lozier. Lecourt, 2 contre 1. Lecourt, un lancé. Et le but! Tour du chapeau de Maxime Lecourt. Et c'est 5 à 1. Et on dit, bon, il y a quelques blessés du côté marqué. Et là, c'est Giroud qui s'échappe. Giroud est seul. Giroud le tire. Le but! C'est 6 à 1. Et là, on ajoute l'insulte à l'injure. Véropol laisse derrière à Kennel pour Véropol dans le coin. Derrière le filet pour Ouellet. Ouellet remonte au cercle. Le tir et le but! Tout qu'un tir d'Alexandre Kennel. Lecourt freine, jongle un peu avec le disque. Lecourt devant le filet vers Tremblay, l'arrêt de Saint-Laurent. Quelle passe! Absolument! Vers Malouin, mais c'est intercepté pour Rattel qui va s'échapper. Rattel accroché, Rattel le tir dans la mitaine de Saint-Laurent. Ça va coûter 2 minutes à Danick Malouin. La relance de Lecourt avec Tremblay vers Lecourt. Lecourt remet derrière à Jalbert. Jalbert pour Tremblay. Le but! Et c'est 7 à 2. Quel jeu et quelle construction de jeu! C'est de toute beauté. C'est pas des garbage goals, si vous me permettez. C'est un 2 contre 1 à l'art avec Paquette. Le tir d'Alard s'est stoppé. Le retour devant le filet. Paquette ne peut saisir. Il va y aller d'une relance à l'attaque. Paradis s'amène avec Bérubé. Paradis le tire, l'arrêt. Et Marcoux a regardé derrière lui à savoir où était la rondelle sous son bras droit. Bon lancer de Paradis là-dessus. Vers Brisebois. Feinte de tir, va s'avancer dans l'enclave. Belle feinte, Brisebois le tir. Entre les jambières de Marcoux, c'est stoppé. Lecourt saisit le 10 d'Alard, c'est un 2 contre 1 avec Donne. Donne est seul, la passe vers Lecourt, ça a été bien. On écoule les dernières secondes vers Jalbert. Un lancé au filet, c'est stoppé. Le retour bloqué par Saint-Laurent. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette rencontre. L'assurancia de Thetford qui l'emporte 7 à 2 sur les Marquis de Jonquière qui subissent une 7e défaite en 8 matchs cette année à domicile. Donc pendant que Michael Fréchette se rendra au niveau d'Atlas pour discuter avec...